Je m'appelle Cécile Barre, je vis à Marcenais-la-Côte, je mène une carrière artistique de peintre. Quand j'étais aux Beaux-Arts, je me souviens que j'y allais quand même assez souvent. J'étais très très attentive à la façon, non pas peut-être au contenu, c'est-à-dire quel tableau, dans quelle salle, encore que, mais j'étais très attentive eh bien, à la façon dont étaient accrochés les tableaux. Pour les objets, c'était les vitrines, mais le meuble lui-même, vitrine, qui m'intéressait. En fait, j'étais très attentive à tous les dispositifs de visibilité. Et puis après, en 2005, bon alors là, je fais un grand pas, mais c'est pour vous montrer qu'il y a eu des moments très différents par rapport à ce musée. En 2005, j'ai été invitée à créer une pièce pour le musée. J'ai choisi la salle du 19e. J'ai repéré deux sculptures qui étaient presque au milieu de la salle et qui étaient côte à côte. Donc, la fée des fleurs de Mathurin Moreau, un bronze, et un plâtre de Barias qui s'appelle La jeune fille de Boussada. J'ai imaginé, finalement, j'ai retrouvé un peu mon amour des vitrines, des socles, avec, vous savez, les sculptures et ces plexis qui viennent s'encastrer dans le socle et qui... Et j'ai imaginé de faire deux cages, deux chambres, avec des écrans, ces peintures écrans que je fais depuis 87, qui sont transparents et qui donnaient à voir donc ces deux sculptures, ces deux femmes représentées, et en les orientant de biais chacun, je donnais un mouvement à l'ensemble et je faisais en sorte que les deux, tout d'un coup, étaient liés et communiquaient, alors que je les avais enfermés. Oui, j'ai une tête. Pour parler des bas-reliefs, ce sont des pièces que j'aime beaucoup parce qu'elles sont au mur, hein, et puis les personnages sortent, ils sont légèrement, ils sont sculptés, mais sur très peu d'espace, et ils sortent un tout petit peu du plan. Et il y a un travail sur les plis qui certainement m'intéresse parce que je fais ces recherches depuis tellement longtemps sur le fait que les choses sont en même temps plates et profondes. Donc si vous voulez, là, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un fond et tout d'un coup, ça sort légèrement et en même temps, ces figures, elles sont tellement prises dedans. Mais bon, vraiment, voilà, il y a cela. Et il y a une pleureuse. Enfin, c'est pas une pleureuse, c'est une dame qui est très, très triste et qui est comme ça. Et donc justement, elle rejoint complètement le plan, ce plan dans lequel elle est complètement prise. Et je ne sais pas si elle, c'est pas la pleureuse, c'est là. Bon, il y a cette femme qui est prise complètement dans le plat. Je ne sais pas si elle est où est-ce qu'elle est en ce moment.